Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Space Live, le Space Live de Mars. Aujourd'hui, je suis toujours avec Léo et Nino. Vous pouvez parler, vous pouvez dire bonjour au chat. J'espère que tout le monde Bonjour va le bien. chat. Bonjour. Ça va et toi? Ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est la pire intro qu'on ait jamais Vous inquiétez pas, je reprends l'animation de ce live tout de suite. On va attendre que tout le monde s'installe, tout le monde soit là pour commencer le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de notre étoile, du Soleil. C'est assez important parce que le Soleil, c'est quand même un peu grâce à lui qu'on est là et qu'on peut parler entre passionnés d'espace. Salut, c'est Fier Dasher, j'espère que tu vas bien. Salut. On attend un petit peu que tout le monde vienne et après on commencera. Aujourd'hui, ce sera pas un live tout à fait comme d'habitude. On va pas parler pendant longtemps avec différentes parties et tout ça. On va plus s'orienter vers un dialogue. Donc, ce serait bien que vous soyez là pour interagir avec nous, poser vos questions, ajouter des informations et comme ça, voilà, ce sera un live orienté discussion, orienté un peu détente. Installez-vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. Si vous avez des questions par rapport Alors, au Space Live précédent. le blondinet à calvas avec la voix suave, c'est moi, c'est Simon, du coup. Quel bâtard. Merci beaucoup pour ce compliment. Voilà, on a un chat actif aujourd'hui, c'est très bien, c'est ça qu'on veut. Dites-moi quand vous êtes prêts, quand on peut ouvrir la discussion. Bah, je vais juste renvoyer un lien vers le serveur communautaire. Oh, putain, on pense à chaque fois. Ah oui, ok, c'est le moment de parler du savoir communautaire. Donc voilà, Nino va vous envoyer un lien. Je compte sur vous pour cliquer dessus et venir nous rejoindre sur le serveur communautaire. Serveur communautaire, vous avez toutes les infos en avance, plein de contenu. Vous pouvez venir parler avec nous directement, on répondra à vos questions dans les plus brefs délais. On sera là pour vous répondre à n'importe quel jour, parce que là, vous pouvez poser vos questions, mais admettons, une question vous vient après le live, vous pouvez venir la poser tous les jours sur le serveur communautaire. Et voilà, c'est envoyé. Après, on va pas attendre plus des heures, je pense. Ouais, on Donc, va on bientôt peut commencer. commencer. Ouais, je vois, il y a plein de gens dans le chat, tout ça. On va commencer directement. Aujourd'hui, on va parler du soleil, pour ceux qui arrivent. Toujours dans l'optique de discuter avec vous, d'échanger. Qui veut se lancer, qui veut balancer, commencer à peut-être nous présenter un peu le soleil dans ses grandes lignes. Après, comme ça, pour lancer la discussion. Bah, je pense que je vais y aller. Vas-y, vas-y. Bon, alors déjà, comme vous vous en doutez tous, le Soleil, c'est une étoile. Donc une étoile, c'est un objet, un corps céleste très chaud. Nous présenter un Et du peu. coup, c'est caractérisé justement par sa température, sa densité, et du coup, par conséquent, bah, son attraction gravitationnelle et sa luminosité. Donc le Soleil, c'est l'étoile au centre de notre galaxie, de notre, pardon, je dis n'importe quoi, au centre de notre système solaire. Le système solaire, donc c'est là où il y a la planète, les planètes du système solaire. Donc parmi ces planètes, il y a la Terre. Et donc le Soleil, justement, est le centre du système solaire. Donc je ne sais pas s'il fait jour chez vous, mais nous, là, on voit le Soleil à travers la fenêtre. Et du coup,
C'est un peu un élément de base pour l'apparition de la vie aussi, parce que c'est lui qui fournit toute la luminosité sur Terre. Donc il a une place très importante. Ensuite, c'est aussi lui qui, on va dire, gouverne la rotation des planètes et aussi qui est qui fait partie des causes de la création des planètes, y compris la Terre, du coup. Ouais, on a Grotaga qui nous propose de parler de la formation du Soleil. Est-ce que quelqu'un s'en charge? Nono, peut-être? Je sais pas, tu veux le faire? Vas-y, vas-y, si tu veux. Alors, attends. Non, vas-y, vas-y. Ok. Il y a On s'est un mal petit compris. moment de flottement. Bah, du coup, le Soleil, comme la plupart des étoiles, ça se forme dans des nuages de gaz. Donc les nuages de gaz s'effondrent, une boule de gaz dans laquelle beaucoup de réactions nucléaires ont lieu, notamment la fusion. Ça demande une énorme quantité de gaz pour faire une étoile. Le Soleil fait pas partie des plus grosses planètes de l'univers, mais il faut quand même une quantité incroyable de gaz pour former une étoile et après que les réactions s'enchaînent et fassent vivre l'étoile. Ça produit l'énergie qui fait que l'étoile est très chaude. Voilà. Si vous avez des trucs à rajouter sur la formation. Pas spécialement, surtout poser des questions en fait. Aujourd'hui, on est surtout là pour enfin répondre à vos questions et ensemble construire un dialogue sur justement toute la connaissance qu'on peut avoir sur le soleil. Donc on compte surtout sur vous, le chat aussi, pour participer. Voilà, si vous avez des questions, des informations à apporter, n'hésitez pas à bombarder et à... Voilà. Nous, on est là Alors pour... moi, je vais parler un peu de l'étymologie, sachant Vas-y. que j'étudie le latin et le grec. Vas-y, Je me vas-y. permets de parler d'étymologie. Donc le mot soleil, du coup, il est issu de soliculu. Du coup, ça vient du latin populaire soliculus. Et en gros, ça désigne l'astre et la divinité. Voilà. Donc, en latin classique, c'est sol et solis. Voilà. Voilà, donc ça désigne, comme j'ai dit, l'astre et la divinité. Alors, Zestek, est-ce que c'est un cours de physique? Alors, c'est pas vraiment un cours de physique à proprement parler, hein. On est là pour Parce vulgariser, que là, pour en plus, on a eu un faire cours de parler. latin express. Voilà, un cours de latin, par exemple, avec Léo. Donc, non, c'est pas un cours de physique, c'est détente. C'est pour partager la passion. Donc, bienvenue, si tu as des questions, n'hésite pas à en poser. On n'est pas en cours, on n'est pas là pour faire des... pour résoudre des équations ou des trucs comme ça, on est là vraiment pour partager des connaissances. Donc là vous avez une bah, je peux vous en parler justement. Donc le Soleil, c'est une étoile comme toutes les étoiles, elle fonctionne sur le processus de fusion nucléaire. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire sur Terre actuellement, mais pour faire simple, ça consiste à prendre deux atomes et à les compresser ensemble tellement fort qu'ils vont former une nouvelle molécule.
et faire en au passage des quantités immenses d'énergie. On pourrait le faire sur Terre, mais pour l'instant, il faut plus d'énergie pour compacter les deux cellules, pas enfin les deux pas cellules, les deux atomes, que d'énergie que ça produit en fait. Du coup, c'est pas worth it en fait pour l'instant. Il faudrait trouver un moyen de produire plus d'énergie justement pour pouvoir pouvoir faire une fusion durable et qui fasse des quantités d'énergie suffisantes. Donc ça se passe, c'est un processus qui se passe vraiment au cœur de l'étoile. Et donc c'est ça qui va créer une très forte chaleur à l'intérieur. Donc je vais vous donner la valeur exacte. Enfin exacte, évidemment, c'est pas exact, exact. Mais au centre, c'est environ 15 millions de degrés Celsius ou Kelvin. Enfin, c'est plus ou moins la même chose. Et ça se réchauffe. Ça se refroidit pardon, très vite, plus on s'éloigne du cœur en fait. Parce qu'à la surface, ça peut varier entre 3500 et 6000 degrés, grosso modo. Vous avez sûrement vu des images de taches solaires. Je vais essayer de vous en retrouver une. Mais c'est des taches immenses, donc parfois elles font jusqu'à la taille de la France. Donc c'est pas rien. Une seconde. Sachant Là, je suis qu'une là. taille, une tache solaire, c'est un endroit où la gravité elle est plus élevée. Enfin, l'attraction gravitationnelle est plus élevée. Parce que la densité, du coup, est plus élevée, c'est en lien, c'est lié. C'est ça. Et donc, du coup, la température est plus élevée. C'est sur ces zones-là qu'on aura des températures plus hautes, de l'ordre des 6000 degrés. Vous ne retrouverez pas ça, sur les petits granulés, en fait, sur les côtés, par exemple. Mais dites-vous que chacun, là, sur l'image que je vous montre, on peut voir chacun des granulés. Fait à peu près la taille de l'île de France. Non, quand même pas. Enfin, il est plus gros que ça, pardon. Ça doit être. Si c'est l'île de France, toute l'île de France, en fait. Pas que Paris, quoi. Donc, vraiment, c'est quelque chose. Je donne des références par rapport au territoire français, parce que je pense qu'on se rend plus ou moins compte. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, c'est immense comme chose. Et donc, au cœur de cet atome, de cette étoile, pardon. Vous avez justement le processus de fusion nucléaire qui se fait généralement avec des atomes d'hydrogène ou d'hélium, mais plus d'hydrogène qui vont justement former de l'hélium. Parce que cet hydrogène, il compose près de 75% de la masse de l'étoile, de son. Oui, donc de la masse. La majorité étant au centre, vu que le cœur interne de l'étoile, donc je vous montre ça juste après. Le cœur interne de l'étoile, ça représente quand même 2/3 de sa masse. Mais donc du coup, quand ces atomes d'hydrogène se percutent, ils forment un atome d'hélium, et ils vont commencer à se. Attendez, tout à l'heure, je dis les atomes, je voulais dire les protons, évidemment, puisque c'est les protons qui forment les atomes, et sinon ça fait des molécules. Du coup, non, pardon, oui, c'est les protons qui rentrent en fusion. Et l'atome d'hélium fraîchement créé, il va commencer une longue journée, en fait, enfin, un long trajet, en fait, pour arriver jusqu'à la surface. Mais comme généralement il a été formé dans le cœur de l'étoile, le problème qu'il va avoir, lui, c'est que c'est tellement dense qui va prendre des centaines, voire des milliers, ou même des millions d'années avant de pouvoir sortir. Donc il va percuter tellement de molécules, et d'atomes, et de particules comme ça qui flottent dans tous les sens, ben, il va prendre plusieurs années à sortir. Et des fois c'est extrêmement long. Et au final, quand il va sortir, ça va donner un photon. Ça va dégager en même temps un photon qui va arriver et donc qui fait la lumière visible. Et donc c'est un processus qui se passe en continu, en permanence tout le temps. Donc évidemment, c'est pas dangereux parce que sinon, on serait un peu mort, quoi. Mais voilà, depuis la formation du Soleil, c'est ça, c'est le même principe de la fusion nucléaire, avec des atomes qui sortent comme ça au fur et à mesure.
Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai des choses à rajouter du coup par rapport à ce que nous a dit Nino. Du coup, cette réaction de fusion nucléaire au sein du Soleil, c'est ce qu'on appelle communément la... Ah bien, je viens d'oublier à l'instant, excusez-moi. C'est pas grave, ouais. La nucléosynthèse primaire, voilà. La nucléosynthèse primaire... stellaire, la nucléosynthèse stellaire. Du C'est coup, bon, là. voilà, c'est ça. Et en gros, stellaire, parce que, donc, étoile, stella, bon, voilà. Donc, ça, c'est l'étymologie, encore une fois. Dans notre professeur de latin, tu Là, vois. les cours de latin, Voilà. là. Et donc, en fait, il faut savoir que cette nucléosynthèse stellaire, elle est, c'est la cause de la plupart des créations, de la création des atomes du tableau périodique des éléments. C'est-à-dire que vous connaissez sûrement tous le tableau périodique des éléments, donc en gros tous les atomes qui composent l'univers. Et c'est, enfin, du coup, les étoiles, elles ont permis de créer en fait quasiment tous les atomes. Alors j'ai dit quasiment tous parce que seul l'atome d'hydrogène et d'hélium, je prends pas en compte les isotopes, hein, mais seuls l'hydrogène et l'hélium ont été créés lors du Big Bang, enfin du coup, enfin pas vraiment à l'instant T, mais les quelques secondes qui suivent. Et du coup, tous les autres atomes, donc en partant du lithium et tout ça, ont été créés, et ainsi de suite, ont été créés par les étoiles, on va dire. Alors soit elles sont créées du coup par la nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire la fusion des atomes, des noyaux d'atomes, ou soit elle est, les, enfin, du coup, il y a les autres atomes les plus lourds qui sont créés par les supernovae. Donc, supernovae, c'est le pluriel de supernova. Donc, ça, c'est comme en latin, rosa, rosae, par exemple. C'est avec Toujours, le toujours. génitif et tout ça. Donc, bref. du coup, les supernovae, concrètement, c'est lorsqu'une étoile explose, en gros, toute cette grande explosion. Parce que, évidemment, une étoile, c'est quand même un objet très massif, très dense, très lumineux, très énergétique. Bah, ça crée une explosion assez conséquente, et du coup, c'est ce qu'on appelle une supernova. Et du coup, c'est lors des supernovae que les éléments les plus lourds sont créés. Et alors, du coup, alors ça, voilà, faut pas le confondre avec la fusion au cœur du Soleil, ça n'a rien à voir. C'est quand même différent, c'est toujours sur un principe de fusion, mais c'est pas dû à la. Au, comment dire, à la vie du Soleil. C'est à sa mort, quoi. Du Soleil, de l'étoile aussi. Hein. Le Soleil n'est pas encore mort d'ailleurs, il mourra un jour. Si je peux me permettre, on a une Si on question peut employer maintenant. ce terme. Donc, on a une question du gros Taga. C'est hors rapport, mais est-ce que vous pensez que la fusion va remplacer la fission pour produire de l'énergie sur Terre? Ah Bah, ouais, ah, je pense que oui. ça lance un petit débat, j'aime bien. Bah, moi je pense que c'est la meilleure solution pour remplacer la fission. Après, le gros enjeu, c'est de savoir la maîtriser. Comme on l'a dit, ça demande beaucoup d'énergie pour l'instant et c'est très dur à contrôler. Mais après, si on maîtrise, je pense que ça peut être une bonne alternative pour remplacer la fission et produire de l'énergie. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, faut la Moi, maîtriser, quoi. je pense que c'est la, on va dire, la clé du futur de l'énergie, tout simplement. En fait, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen qu'on puisse utiliser, parce que à partir du moment où, évidemment, on a on va dire, l'infrastructure nécessaire. Peu importe le pays où vous êtes, vous pouvez en faire en théorie, tant que vous avez ce qu'il faut. C'est-à-dire que, à part le fait que ça soit du coup comparé très peu polluant, comparé par exemple aux énergies fossiles ou même à la fission, parce que, comme vous le savez tous, la fission, ça produit des déchets. La fusion, ça ne produit pas de déchets. Enfin, ces déchets, c'est l'hélium. L'hélium, concrètement, on le réutilise, c'est très pratique. Alors que les déchets radioactifs, on va pas se le cacher, hein. C'est pas très utile et c'est plutôt dangereux. Donc la fusion nucléaire, sur ce point-là, déjà, le fait que ça produise pas de déchets et que ça n'émet pas énormément de dioxyde de carbone ou d'autres gaz à effet de serre, c'est très bien. Et d'ailleurs,
Ça produit aussi beaucoup plus que la fission, et ça aussi c'est un gros point fort. Et donc par exemple, si nous prenons comme comparaison une autre énergie propre verte, on va dire, comme l'hydraulique, la géothermie, l'éolien, le solaire, et ben ces énergies-là ont besoin de certaines caractéristiques qui dépendent par exemple de l'endroit où vous êtes sur Terre. Si il faut qu'il, par exemple, pour l'éolien, il faut des zones assez où il y a beaucoup de vent. Donc, des zones Pour plutôt la en hauteur. géothermie, voilà, il faut qu'il y ait des zones où les sols soient chauds. Pour l'hydraulique, il faut qu'il y ait des zones où il y ait des courants d'eau. Donc tout ça, ça demande forcément un milieu adapté, quoi. Et en théorie, la fusion nucléaire, elle, tant qu'évidemment, hein, il y a toute l'infrastructure qui est avec, elle peut être installée n'importe où, quoi. Alors, Et voilà. J'ai pas du de coup, temps. il demande aussi, est-ce que vous pensez qu'on pourrait la maîtriser avant 2100? Je pense que c'est un grand Alors, défi, mais que c'est moi oui. faisable. Ouais, je pense, ouais. Avec le progrès technologique, c'est toujours exponentiel, vraiment. On invente toujours des nouvelles technologies, ça va très vite. Donc je pense qu'avant 2100, on pourra la maîtriser. Après, est-ce qu'on aura démocratisé ça et construit de la carte de fusion un peu partout? C'est moins sûr. C'est ça. Ben moi, du moins, j'espère que ça va être maîtrisé parce que pour moi, c'est vraiment indispensable pour moi dans le futur de se procurer cette énergie et de la développer pour avoir, comment dire, être dépendant de cette énergie le plus possible. Parce que les autres, pour moi, elles sont pas, c'est pas les plus optimisées, quoi. C'est sûr. Mais si je me permets de gros tag, la fission entre la fusion avec l'explosion d'une supernova, d'une supernova, mais la réaction possible et la fission avec les deux isotopes convergents, donc j'en conclus que c'est Wine. Pas tout compris. Écoute, parfait. Là, tu es à un niveau de physique qu'on n'a pas apparemment. Je pense que tu peux développer tes propres réacteurs. Vas-y, fonce. Aïe aïe Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. ouais, allez-y, allez-y. Alors, je vous propose de revenir un petit peu sur le soleil. Ah ouais, on ressent. On n'a pas trop parlé des éruptions solaires. Non, j'allais y arriver avec la fusion nucléaire, mais si tu veux le faire, vas-y. Ben ouais, bah alors bon, Vas-y, je vais un vas-y. petit peu en parler, mais je pense que Vas-y. t'auras sûrement plus de choses à dire que moi. On verra. Bon, alors les éruptions solaires, c'est tout simplement une éruption, comme son nom l'indique. Qu'on peut voir parfois avec des outils d'observation. On voit peut-être sur certaines images, il me semble qu'au début du live, on pouvait voir une éruption solaire. Tout à fait. Je te remets, salut. Ça crée Bon, désolé une les gars, j'y vais. espèce Ok, pas d'halo. de soucis. Bah, bonne Ouais. soirée, gros Tiger. Peut-être qu'on va te revoir, Ouais, peut-être pas, on merci verra. d'être passé sur le On live. espère te retrouver peut-être plus tard dans le live ou pas, ou une prochaine fois. Donc une éruption solaire, voilà, c'est voilà, une éruption, je vais pas trop le définir. Qui peut. Alors moi je vais surtout parler du rapport avec la Terre, je pense. Vas-y. Je sais pas si de ce que tu voulais si c'est de ça que tu voulais parler, Nino. Non, non, mais vas-y, vas-y, t'inquiète, fais ton truc. Ok. Bon, bah alors voilà, une éruption solaire en général, c'est pas dangereux pour la Terre, parce que, comme vous le savez peut-être, on est protégé en soi par un champ magnétique. Donc un champ magnétique tout simple avec deux pôles, hein, qui correspondent presque au pôle géographique de la Terre, pôle sud, pôle nord, et là, magnétiquement, c'est à peu près similaire. Il y a peu d'écart entre les deux pôles, enfin entre les deux types de pôles. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, au pôle sud et au pôle nord, on a des aurores boréales. C'est parce que tout ce qui est toutes les, comment dire, les particules provenant du Soleil, eh ben, elles se retrouvent au pôle parce que le champ magnétique les dévie. Donc les éruptions solaires, en soi, c'est
peu dangereux pour la Terre, sachant que les éruptions solaires pardon, peuvent être très grandes. Elles peuvent avoir des tailles gigantesques. Et évidemment, elles propagent aussi un vent solaire. Un vent solaire, voilà, c'est toutes les particules, donc ça peut être plein de choses, ça peut être des photons, donc souvent des photons chargés, et puis après ça peut être voilà, c'est surtout des photons. Et du coup, ça va balayer les planètes du système solaire. Et du coup, bon, comme j'ai dit, nous on est protégés, mais certaines peuvent être très puissantes et menacer les activités terrestres. Alors jusqu'aujourd'hui, il y en a pas. Alors récemment, je dirais, dans le siècle, il n'y en a pas eu de très très puissantes qui nous aient, comment dire, comment? Voilà, on va dire ça. Parce que, voilà, c'est-à-dire qu'on prévoit qu'il peut y avoir des éruptions solaires, par exemple, qui peuvent mettre en alerte tout le système électrique, bah, tout le réseau électrique des villes et tout ça, et tout ce qui est Internet, et forcément les connexions après avec les satellites et tout. Ça peut être menacé par les éruptions solaires. Ça serait pas très cool entre nous. C'est ça. Ben avec les nouveaux moyens technologiques, aujourd'hui, on peut être menacé. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils n'avaient pas tout ça, évidemment, ils n'avaient pas forcément cette menace-là, du coup. Et donc, il faut savoir que voilà, ça peut exister. Et après, du coup, c'est pour ça qu'on a installé ce qu'on appelle la météo solaire, la météo du soleil. C'est-à-dire qu'il y a des satellites qui surveillent en permanence l'activité du soleil et qui essaient de prévoir ses futurs événements et tout ce qui peut, comment il va évoluer. Un peu comme sur Terre, quoi, quand on essaie de prévoir la météo du jour, s'il va pleuvoir par exemple dans la semaine, tout. C'est pareil, évidemment, avec les caractéristiques du soleil. Mais on en reviendra plus tard, je pense. J'ai des choses à dire sur ça et je préfère en parler plus tard. Je préfère te laisser la parole, Nino. Oui, vas-y. J'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter en soi. Non, je crois pas. Mais voilà, donc D'accord. c'est un. Donc voilà, les éruptions solaires, c'est quand même quelque chose à surveiller. Et parce que bon, si on avait une demain, on va pas se mentir, ça serait la sauce. Je tiens aussi à préciser quelque chose de marrant, mais enfin, c'est logique en fait, mais c'est marrant. Comme la vitesse de la lumière, elle est pas instantanée. Elle est de 299 792 458 mètres par seconde. Ah, bien joué. Bah oui, t'as vu ça. On est scientifique, on est scientifique, ouais, ou on ne l'est pas. Alors, du coup, comme la vitesse de la lumière, voilà, justement, elle a cette valeur qu'on note C, donc la célérité, toutes les informations qui nous viennent du Soleil, elles sont en fait erronées, elles sont déjà trop vieilles à l'instant où on le reçoit, parce que la lumière met environ 8 minutes et 20 secondes à arriver à la Terre. C'est-à-dire que là, le Soleil, comme vous le voyez maintenant, c'est tout bête, mais vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes 20. Et pour voir comment il est à cet instant T, il faut le regarder maintenant, et dans 8 minutes 20, vous saurez comment il est, enfin comment il l'était quand vous avez voulu le savoir. Donc voilà, c'est tout bête, mais si il venait à. S'il venait à y avoir une éruption solaire instantanée comme ça, bah on le saurait que 1 minute 20 après, et on le saurait justement parce que tout serait coupé instantanément, vu que la plupart des installations électriques grilleraient probablement sur le coup. Et donc ce serait assez rapide, et donc c'est assez marrant de se dire qu'on ne connaît pas en fait la date de la prochaine éruption solaire, on la connaîtra qu'au moment où elle aura lieu, ou alors quelques minutes avant, ou si on voit des activités particulière sur la surface du Soleil. Voilà, donc faites attention, vous pouvez être coupé d'Internet à tout moment à cause d'une éruption solaire. Voilà. Voilà, c'était le message de prévention d'Hermes Space. Faites Ouais. attention aux éruptions solaires. Prenez un parapluie. Voilà, exactement. Non, du coup, ouais, voilà. On a fini sur les éruptions solaires. Si vous avez des questions, vous avez d'autres choses à rajouter. Léo, tu avais un truc à dire ou tu veux le dire plus tard?
Non, c'est bah, la météo du soleil, vite fait, mais on en parlera plus tard. Moi, là, je pense qu'on pourrait parler du type spectral du soleil, parce que j'aime bien en parler en général. Bah vas-y, Bah, ah, parfait. quand on traite le sujet des étoiles, j'aime bien parler du type spectral. On a une question de The Stack, non? C'est où se situe Oui. la limite du système solaire? Alors, le En système termes solaire, de... Oui, pardon. on peut situer la limite peut-être avec la sphère d'influence du Soleil, sa sphère d'influence gravitationnelle, c'est-à-dire à partir de quel endroit on est plus attiré par le Soleil, mais attiré par autre chose. Et bon, j'ai pas le chiffre exact, je peux vous le chercher si vous voulez. À part si quelqu'un le connaît, Nino, tu Non, connais la vitesse de la lumière, tu connais pas non, le. non, je regardais là à l'instant. Je l'ai pas non plus. J'ai juste la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse qu'il faut dépasser si vous voulez pouvoir vous échapper du soleil à proprement parler. Parce que comme il a une gravité très élevée, il faut aller à 617 km par seconde pour pouvoir vous en échapper. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Je vais essayer de rechercher du coup le rayon Alors, de moi j'ai un truc, une frontière qui se situerait à peu près à une année-lumière du foyer central du Soleil. Ce qui est pas mal. Donc à peu près 9,6 9 600 milliards de kilomètres, très loin. C'est après Pluton, après la ceinture de Kuiper. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Donc la limite du système solaire, on peut la situer voilà à une année-lumière du Soleil. Donc une année-lumière, voilà, le temps que met. Attends, non, la distance, non, je sais plus. Je suis Le embrouillé. oui, c'est le temps que met non, la distance que parcourt la lumière en une année. Voilà. Voilà, on a tout remis dans l'ordre, c'est bon. Donc sachant que la lumière va très vite. C'est très très bon. Je redirai pas la valeur, voilà, c'est dit. Ah, dommage, dommage. Vas-y, du coup, Léo, si Alors, tu veux. ouais, ben moi pour le rayon de la sphère de Hill, alors c'est quelque chose à définir, mais en gros c'est en lien avec l'influence du soleil, du coup, ben, tout ce qu'on peut compter dans le système solaire, j'ai pareil une à deux années-lumière. Donc voilà. Donc c'est très gros et voilà, il faut pas oublier que en fait le système solaire ça s'arrête pas du tout à Pluton ou du moins dernière planète naine. Il y a déjà tout ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper c'est toute une ceinture d'astéroïdes après Neptune. Et on a aussi le nuage d'Oort qui englobe tout le système solaire. C'est-à-dire que la ceinture, on va dire qu'elle a une forme plate, c'est un disque quoi. Alors que le nuage d'Oort c'est une sphère creuse parce qu'évidemment à l'intérieur il y a le système solaire, enfin les planètes avec la ceinture de Kuiper, et donc ce nuage là c'est de la matière, donc il y a un peu de tout, Des c'est comme en gaz. fait c'est comme un nuage galactique, je sais pas trop comment on appelle ça, mais Oui, bah c'est des il y en gaz, a dans l'univers, des cailloux, des roches. C'est un peu voilà, tout ce qui n'a pas été consommé, entre guillemets, quand les c'est ça. planètes ont été formées. Parce que bah, la plupart a été éjectée dans l'espace profond, mais ils sont restés en orbite autour du système solaire. Donc on a tout un nuage comme ça qui nous tourne autour. Évidemment, on peut l'observer depuis la Terre, mais il faut des gros télescopes parce que on parle quand même d'objets qui peuvent être relativement petits ou de gaz et qui sont bah, du coup extrêmement loin. Mais voilà, c'est pour ça qu'on en parle pas souvent parce que ça a vraiment aucune influence en fait sur la Terre et sur le système solaire en lui-même. Ça représente rien. Ouais, c'est pas très important. Enfin, sans vouloir les tout foncer du coup. Voilà. Du coup, pour le type spectral du Soleil, Vas-y, vas-y, dis-nous. voilà, il faut savoir qu'on classe les étoiles par aussi, enfin, de plusieurs manières, et aussi par leur type spectral. D'accord. Donc, le type spectral, c'est classé en fonction de la longueur d'onde des photons émises par l'étoile. Alors, ça se caractérise, on peut le caractériser à l'œil nu, on va dire, facilement plutôt, en fonction de la couleur de l'étoile. Donc, plus elle est rouge,
Bah du coup, plus la longueur d'onde est grande, et plus elle est bleue l'étoile, plus la longueur d'onde est petite, courte. Et du coup, plus l'étoile est bleue, plus elle est énergétique, et plus elle l'éclaire. C'est-à-dire que plus la luminosité est élevée, et du coup, plus elle chauffe les corps aux alentours, et plus elle est chaude elle-même. Et du coup, plus elle est rouge, moins elle est chaude, moins elle l'éclaire, on va dire. Et aussi, en général, les étoiles rouges sont moins grandes. C'est-à-dire que les étoiles bleues, en général, elles sont bleues, c'est-à-dire qu'elles sont aussi lumineuses et si chaudes par leur taille, en fait. C'est-à-dire que leur taille fait que leur densité est énorme et que du coup, elles ont une attraction gravitationnelle très forte et du coup forcément ça chauffe beaucoup et du coup vu que ça chauffe beaucoup la luminosité est plus forte, enfin bon bref tout ça c'est le comment dire, je sais pas comment on appelle ça, le type spectral, bon voilà on va dire ça, type spectral, donc voilà c'est caractérisé par la couleur, du coup, la gravité de surface, la masse et la luminosité. Enfin, tout ça, c'est des choses qui se relient, hein. C'est-à-dire que plus l'étoile est massive, plus elle est dense, plus elle est chaude, plus elle est lumineuse. Enfin bref, c'est des choses qui sont reliées, hein. Chaque facteur influence un autre. Enfin bref, donc notre Soleil, il est, on va dire, il est à peu près jaune, jaunâtre, hein. C'est-à-dire qu'on le voit même jaune, jaunâtre sur les photos. Et du coup, il est classé Je vais vous en en... mettre une autre de photo. Voilà. Je vous remets 2 secondes. Il est classé en G2P. G2V. Alors, je sais pas, peut-être qu'on a une image... En fait, ce serait bien qu'on ait un petit graphe des types spectraux. Je devais avoir utilisé ça une dernière fois, mais attends, je vais essayer de retrouver. Alors, il y a plusieurs classifications. Je pense qu'on va prendre la classification de Harvard. Okay, je vais te rechercher Donc, la ça. classification de Harvard, c'est les seuls du coup que j'ai. Ah bon, il y a beaucoup de toute façon. Il y a un graphe. Il y a un tableau assez. Je sais pas. Bon, on a plusieurs types. Les plus lumineuses, c'est les O. Et les moins lumineuses, c'est les Y ou les T. Donc on peut avoir des étoiles rouges, hein. En général, elles sont assez petites et tout ça. Et on peut avoir des étoiles bleues aussi. Donc nous les jaunes, donc en gros jaune c'est à peu près, on va dire c'est à peu près la médiane des types d'étoiles. En gros elle se situe à peu près dans les températures moyennes et du coup forcément les luminosités moyennes. Voilà, donc vous avez Alors trouvé un le petit type peu G plus. du coup, Bon, oui. pas grand-chose, je suis désolé. Mais c'est ce que je trouve le mieux. Simon, président d'Hermès. Aïe, aïe, aïe. On entre dans une sauce monumentale. Ah oui, alors, on va pas parler de politique hermésienne ici. J'ai un petit Voilà. peu de bien. Vous voyez sur le tableau, à l'écran, le type G. Vous voyez, ça se Attends. situe Je vais zoomer un peu comme entre... ça, on regarde que les premières colonnes Ouais. qui sont peut-être les plus. Ouais, c'est-à-dire que la dernière colonne, je pense qu'elle elle est pas très importante Bon, on va pour ce garder qu'on va juste ça pour dire. l'instant. Ouais. Donc vous voyez, tout est, c'est-à-dire que bah voilà, plus c'est bleu et du coup tous les, on va dire les paramètres sont au max et plus c'est rouge, bah, tous les paramètres sont au minimum, je dirais. Oui, c'est plutôt moins ça. Voilà, c'est ça. Donc nous, c'est à peu près le milieu, comme vous pouvez voir. C'est jaune, c'est moyen quoi en termes de, c'est voilà.
Bah, par exemple, après, si parce que peut-être, enfin, il y a des étoiles qui sont assez connues. Ouais. Sachant que voilà, donc l'Étigée, j'en reviens du coup au Soleil. Elles peuvent être considérées comme des naines jaunes, voilà. Donc jaunes évidemment parce que bah elle est jaune. Et naines parce qu'en soi c'est pas des étoiles très très grandes, non? C'est-à-dire qu'on a des étoiles beaucoup plus grandes, les étoiles bleues, voilà, comme vous pouvez le voir sur le tableau, sont très très grandes. Non? Attends, je peux resserrer un peu, Et je pense. voilà. Attends, hop, je vais faire ça Et comme alors faut savoir que la durée de vie aussi, peut-être qu'on l'a. La durée de vie aussi dépend du coup de la taille des étoiles. En général, il y avait les. Plus les étoiles étaient grandes, plus leur durée de vie était courte. oui, évidemment, qu'elles consomment plus vite leur hydrogène. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que nous, le Soleil, il a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ben, un jour, il explosera. Mais avant qu'il explose, il va continuer son évolution et son rayon va atteindre la distance ben, du coup qu'il y a aujourd'hui, donc Terre-Mars. En gros, ça veut dire que son rayon s'étendra jusqu'à Mars, à peu près. Donc, toutes les planètes rocheuses, elles auront disparu d'ici là. Voilà. Y Voilà, compris la donc Terre, hein, du coup. le futur de la Terre, même si on échappe au réchauffement climatique, dans tous les cas, dans encore longtemps, on a le temps encore, mais dans quelques milliards d'années, de toute façon, le Soleil va engloutir la Terre et à part si on a réussi à coloniser d'autres planètes à l'extérieur du système solaire d'ici là, ce qui est en soi c'est possible, dans 5 milliards d'années, ça nous laisse le temps de nous échapper de la Terre. Sinon, bah, ce sera la fin de l'aventure, plus de terre, plus d'humanité. C'est pour ça aussi que, enfin, de mon point de vue, hein, c'est important de continuer l'exploration spatiale et d'essayer de coloniser d'autres planètes et pas de s'enfermer sur la Terre. Parce que si on veut continuer à survivre, il faut dans tous les cas passer par l'espace. Voilà, c'était la partie un peu sur mon point de vue. C'est plus trop sur le soleil, c'est un peu de la philosophie, je sais pas, ou de la pensée. Donc voilà, Voilà, si vous donc avez d'autres questions plus scientifiques sur le soleil ou d'autres questions en général, allez-y. voilà, donc c'est un destin très tragique pour la Terre, hein. Ouais, c'est pas très joyeux, mais ça, on a encore le temps. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous Ça va bien connaîtrez se pas passer. la fin de la Terre, bon, en tout cas on espère, avant de mourir. Et du coup, pour un fun fact aussi, le type G des étoiles, ben, il émet à peu près tout le spectre lumineux en termes de longueur d'onde, de photons. Et donc, par exemple, une type O, c'est quasiment que les longueurs d'onde de tout ce qui est violet, bleu, donc vers les 400 nanomètres et tout ça. Alors que une type M par exemple c'est plus vers les 800, donc tout ce qui est rouge. Et donc on peut imaginer que si on avait par exemple une étoile rouge, bon déjà il ferait pas si chaud sur Terre, hein. Notre orbite serait sûrement pas la même. Enfin bref, du coup il y aurait sûrement pas la vie non plus au passage. Mais bon bref, on va imaginer qu'il y a une étoile rouge de type M du coup. Et du coup est-ce que pensez que le ce qu'on verrait tout autour de nous, ça serait pas de la même couleur, vu que l'étoile n'émet que des ondes électromagnétiques, donc des photons, situés vers 800 nanomètres. Du coup, ça veut dire que, en théorie, tous, enfin, on verrait pas les couleurs de la même manière. Ouais, on verrait un peu comme avec un filtre rouge au final. Voilà. Et du coup, à l'inverse, avec une étoile O, on verrait tout un peu bleu, violet.
ou noir aussi pour les objets du coup bah, qui qui en fonction d'absorption des objets quoi. Alors, c'était coloniser des planètes. Et ouais, c'est une possibilité pour étendre l'humanité à d'autres planètes. Après, comment on va les coloniser, quelle planète on va choisir, ça c'est plus Un autre compliqué, c'est débat. un tout autre sujet. C'est très large, on va pas pouvoir tout détailler là. Mais effectivement, je pense qu'il faut aller vers d'autres planètes et que c'est vraiment important. Oui. Enfin, c'est mon avis aussi. Et pas forcément que aller sur des planètes, mais aussi avoir, comment dire, être autonome, juste tout simplement dans le vide spatial, dans l'espace, en orbite par exemple de corps célestes, donc de planètes. Je pense que c'est aussi bien parce qu'on a des degrés de liberté beaucoup plus importants que sur une planète que sur un corps céleste. Après, évidemment, on n'a pas autant de ressources in situ, mais si on est en orbite, par exemple, d'une planète, on peut récupérer directement Les gars, faites les gaffe, il y a trois ressources personnes qui des tombent sur planètes. votre live, je me propose d'être moudou pour les tèches. Attention, le policier The Steak va vous battre si vous Aïe, aïe, aïe. non mais Alors, on a déjà des modérateurs pour le coup aussi. Oui, Voilà. sauf que Ne bon. vous inquiétez pas. De toute façon, personne ne peut s'endormir devant un live aussi incroyable que celui-là. Bah oui, t'inquiète pas, ils sont très attentifs, c'est ça. Et c'est juste, ils ont pas Oui, ouvert le voilà. chat pour pas être distraits. On est les pires. Voilà, donc on a parlé des options solaires, on a parlé un peu de la classification. Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder? Parce que vous, le chat, enfin, ceux qui sont réveillés apparemment, ont d'autres questions à poser. Allez-y, n'hésitez pas. Moi personnellement, je propose de revenir à la météo solaire du coup. Ah, vas-y, vas-y. Bon alors, la météo solaire, comme le nom l'indique, c'est l'observation des phénomènes du Soleil en fonction des cycles qu'il peut avoir et tout ça, parce que ça a été étudié sur des siècles, bon, pas autant, mais plutôt sur des décennies, parce que l'observation du Soleil, Même si on a quand même des observations oui. assez vieilles, en soi. Voilà. On a quand même des observations assez vieilles, mais tout ce qui est de l'observation rapprochée, plus spécifique et plus précise, c'est plutôt récent, parce que pour pouvoir étudier le Soleil, il fallait quand même des moyens, déjà, d'avoir des appareils pardon, adaptés, parce que la luminosité est telle que les moyens de l'époque ne permettaient pas d'avoir des études précises sur le Soleil. Aujourd'hui, on peut, et du coup, ça fait plusieurs décennies qu'on étudie précisément les cycles. Bon, déjà, il y a des cycles aussi, mais maintenant, on peut avoir des caractéristiques qu'on n'avait pas avant et qu'on étudie depuis des décennies. Et du coup, c'est comme sur Terre, voilà. C'est pareil, on fait la même chose et on peut prévoir, en fonction des connaissances qu'on a de ces cycles et des caractéristiques du Soleil, on peut prévoir ce qui va se passer dans les jours suivants. On fait exactement pareil. Quand on cherche la météo sur Terre, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, s'il va faire soleil ou pas, machin. Et donc, là c'est pareil, sur le Soleil, on étudie les prochains événements qu'il pourrait y avoir. Donc éruption solaire, vent solaire. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, bon, voilà. Mais on prend surtout les plus utiles. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois la cour a été reset. Allô, allô? Je crois que j'ai une sauce, je viens d'entendre un petit bip. Et je vois là, live depuis 2 secondes. On va voir. Je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai cru que. Je crois qu'on a eu un petit pépin. Est-ce que tout le monde est toujours là dans le chat? C'est parce que vous avez eu des coupures ou quoi que ce soit? Ah, un problème technique. Oui, petit problème technique, on connaît bien ça nous aussi.
Ouais, mais on a Nino qui s'occupe de la technique là, et il va vous gérer tout ça. Ne vous inquiétez pas, le live va être parfait. De toute façon, je pense qu'on va arriver sur la fin. Je vais aller checker quand même. Vas-y, vas-y. Non, non, on est toujours. C'est bien, il a. C'est mon logiciel de stream qui a dû planter ou je sais pas quoi. Mais pas grave, parce que visiblement. Visiblement, il a tout mis sur la même séquence. Donc ça a l'air d'aller. Attendez, je vais mettre le son 12 secondes. Live va être parfait. Ouais, c'est bon. Bah, ça va, apparemment. Ok, Bon, parfait. bah, Le vas-y. problème a été résolu. Ben voilà, ça n'a pas pris trop longtemps, c'est bien. Ah ouais, mais après, on a un technicien de talent. Bah oui. C'est pas pour autant que je vous rejoins de la team technique. Du coup. Là, le petit disait. Donc, voilà, du coup, oui, pour la météo, voilà, il y a des satellites qui sont en orbite, donc Parker sur leur probe et tout ça. Et eux, ils étudient le Soleil, donc évidemment, pour faire des recherches dessus, en savoir mieux sur le Soleil, parce qu'on a encore beaucoup de choses à savoir, mais aussi pour le surveiller, on va dire. C'est un peu une surveillance du Soleil. Et grâce à ça, après, on peut prévoir si il peut y avoir des choses qui peuvent menacer la Terre. C'est-à-dire que si on prévoit une éruption solaire importante, ben, l'avantage de cette météo solaire, c'est qu'on pourrait ben, prévenir justement la Terre d'une menace qui arrive pour ben, qu'on puisse se préparer sur Terre, quoi. C'est-à-dire, au lieu que ça nous arrive par surprise, C'est parce que ça. c'est pas vraiment quelque chose de très proche, on va dire. Bon, bref. Enfin, voilà. Et puis en plus, c'est quelque chose qui n'est pas commun. En général, il n'y a rien qui se passe, quoi. Je veux dire, voilà. Oui. Et donc, c'est surtout le but principal de surveiller enfin, de cette météo. C'est quand même la recherche, hein, mieux connaître le soleil, mais il y a quand même aussi un but de sécurité terrestre. Voilà. D'accord, Ouais. d'accord. Et ben là, je pense qu'on a épuisé un peu tous les sujets. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est bon. Si Nino, Léo, vous avez d'autres trucs à dire, Non, rien de spécial. c'est bon. Ben Non, pas on va spécial. approcher de la fin. On va laisser 5 petites minutes si vous avez encore des questions. Après, on va finir ce live. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions là, Ouais. à blinder. Voilà, je profite de cette conclusion pour vous demander si vous avez d'autres sujets pour les prochains lives. Parce que voilà, nous, on va arriver à court de sujets. Je vais avoir des trucs qui vous plaisent aussi, qui viennent de vous. Des sujets en lien avec l'espace. Ou avec la science Vous avez qui d'autres vous sujets? intéresse et dont vous avez envie de parler en live, allez-y, dites-nous. Voilà, bon, on va faire un peu les youtubeurs cette fois. Donc, vous pouvez vous abonner, ouais, vous connaissez, tout le monde La vous connaissez cloche. ça à chaque fois que vous lancez une vidéo YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller regardez notre Instagram, on essaie de faire des petits posts sympas, on prévient en story des événements, tout ça. Pour le calendrier des prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? On va vous présenter un projet dans pas longtemps, un projet qui nous a pris beaucoup de temps. On va réunir toute la team armée sur tout le monde. Vous pourrez venir poser des questions. On va vous présenter. Voilà, comme ça, vous aurez un exemple concret de ce qu'on fait principalement chez MSX. En plus Évidemment. des lives et de vulgarisation. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà.
performance du coup pour le live sur le projet qui va. Mec, je sais pas si c'est moi, mais genre moi, ton micro, j'ai l'impression qu'il bug. Enfin bref, pas grave, de toute façon, on est sur la fin. Mais bon, je te dirai ce que j'ai entendu après, mais c'est pas très YouTube friendly. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Voilà. Là, ça va être la fin. On vous rappelle qu'on a toujours le serveur communautaire qui est là pour les autres questions que vous avez après le live. On peut aussi parler peut-être sans trop teaser d'un autre projet qui avance très fort en ce moment sur le projet. Est-ce qu'on ne balancerait pas les noms? Tu veux balancer le nom du projet, Alors, non? j'ai un post qui a été Ah fait sur oui. Navis. Ah, il a balancé, il a spoil. Alors, en soi, il y a déjà un post sur Instagram qui a été posté il y a quelques temps, publié plutôt, sur un projet sur lequel là on est en train de travailler, parce qu'on a fini Venusia, comme on vous l'a dit. Et là, du coup, on est sur un projet qui s'appelle Navis et on vous en parlera. Ben, plus tard, hein. Mais voilà, donc ça on l'avait déjà dit, mais voilà, c'est un rover miniature à la base pour une utilisation sur Mars qui sert à transporter des marchandises. Voilà, et vous en saurez plus tard, du coup. Et pour cela, il faut évidemment nous suivre sur YouTube, Instagram et aussi le serveur communautaire. Voilà. Sachez que sur le serveur communautaire, on essaie de faire régulièrement des séances de questions-réponses. Du coup, c'est pas du tout la même ambiance que sur YouTube. Vous pouvez venir poser votre question, repartir, faites comme vous voulez. On est plus libre. Il n'y a pas un sujet en particulier. Voilà, on vous préviendra pour le prochain. Vous pourrez venir et poser toutes les questions. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Ou justement, en début de mois, bah, le mois prochain, quoi. Posez vos questions. Autre chose aussi, vous pouvez acheter des. Si vous êtes vraiment intéressé par le projet, vous pouvez acheter des vêtements, des produits de l'Hermès. Ça nous soutient beaucoup pour des projets qu'on a financés, tout ça. Ça, vraiment, c'est une grosse aide. Donc, vous pouvez aller voir sur le site du projet. On va rajouter d'autres produits, une collection avec peut-être des appuis en lien avec les projets en cours, comme la liste. Et voilà, vous pouvez venir, vous pouvez acheter, ce serait un énorme soutien au projet. On ne vous force pas, hein, vraiment. Si vous en avez envie, il n'y a pas d'obligation. Mais allez checker, ça fait toujours plaisir. Je propose qu'on coupe ce live. Si personne n'a d'autres questions, j'ai fait à peu près le tour de tous les de toute la petite routine YouTube. J'espère que ce live vous a plu. C'était vraiment très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé parler du soleil avec vous. C'était vraiment interactif aujourd'hui. Le chat était là. C'était vraiment très cool. Merci beaucoup. Merci à Léo qui s'est chargé de la préparation de ce live, de fixer les horaires, les dates. C'est avec grand plaisir. Voilà, merci Léo. On a Nino qui, comme on vous l'a dit, s'occupe de la technique. C'est lui qui Qui participe règle les au live, bugs. qui gère les bugs et les problèmes. Et ça fait que c'est un peu galère des fois, donc on le remercie aussi. C'est un plaisir. Voilà, et du coup, c'était moi, Simon, qui me suis chargé d'un peu d'animer ce live et
de vous présenter. J'ai fait l'intro, je fais la... là, je suis en train de vous faire la conclusion à la fin. Voilà, je vous remercie encore d'être là. Merci, Zestoc. J'espère qu'on se reverra sur d'autres lives. Hein. N'hésitez pas à venir. Bonne journée à tous. À la prochaine. N'hésitez pas vraiment à venir sur le serveur et à proposer d'autres sujets de live qui vous intéressent. Voilà pour les prochains. Le prochain, ce sera quand? Le Mi-avril. mois prochain, mi-avril. Voilà, mi-avril. Voilà. Ouais, nickel. Bah voilà. Voilà, bonne journée Je pense qu'on a et fait. merci Bonne journée beaucoup. à tous. Allez, ciao. Au revoir. On est sur la page de fin.